Bonjour, c'est Gary Fox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge Magie. On fait une ceinture séculaire, on va essayer de faire un génir perf pour trans dommage distance pour un éclat flip feu PVP. Alors pour la petite histoire, j'en avais fait une récemment qui s'était très très bien passée. J'avais fini juste avec un moins 3 AJ et quelque chose de très 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 propre sur tout le reste. Sauf que je l'ai mise en dommage sort à une époque où je pensais jouer l'éclat flip full dommage sort en JH et finalement je pars sur un mode en voile d'encre. En dommage distance, du coup, pour pouvoir taper avec le CAC, donc je dois en refaire une. Voilà, c'est un peu frustrant. Alors, la strat pour ça, là, ça va être de viser du puits PO et du crit Rasa. Donc, il va falloir qu'on finisse l'item par crit PO en repassage sur puits et crit Rasa, avec l'opportunité que la Rasa, si elle passe en succès neutre, elle casse le PO peut-être. Et auquel cas, je peux tenter de remettre le PO après. C'est comme ça que j'avais réussi à la faire la dernière fois, mais sinon il n'y a pas vraiment d'autre option pour aller chercher du gros G là-dessus, si ce n'est du brisage PA, mais bon. On va partir là-dessus et on va espérer que ça se passe aussi bien que dernièrement. Alors, il va nous falloir du perf stat. J'ai presque envie de mettre la painée à 72. Je vais tenter. Ok, ça passe, moins 6. Et la rainée. Oh, le crit me met très 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 bien, là j'en ai vraiment besoin. Chaque rune compte là, vraiment c'est très compliqué en termes de puits. Ok. La Vita, bon je pourrais Pavipod, enfin Pavir Avipod, mais là on va déjà espérer qu'on puisse terminer le FM. On va donc Ravi simplement. Moins 20, ça pèse très lourd. Ça va être compliqué, hein. Mettre le soin. Moins 10 à nouveau, bon là j'y crois plus trop. 7, il aurait vraiment fallu que les grosses runes passent direct. Hein. Ok, il me reste 2. On n'a pas le PO, on continue. On a une belle tenta ici, vraiment vraiment chouette. Ok, ça passe en neutre. 21 depuis. Allez, le dos. Il me reste 11. Allez, une de chaque. Oui. Allez, la fuite. Oui. Moins 9. J'ai 2 depuis. Je peux faire 2 tentatives en vrai. Ça se tentait. Bon, allez, maintenant il me faut PO Rasa et on est good. Hein. C'est quoi dans une vie? On n'a pas le PO. Bon, là, ça va être un peu compliqué. On va Ravi. On va aller chercher le moins 6 à Lini. Ah oui, mais oui, c'est vrai qu'il y a de Lini là-dessus. Bah oui. je m'attendais pas forcément à ce que ça passe, mais en vrai, ça me va. Ah, le moins 6 aurait fait plaisir. Bah oui, mais c'est pas maintenant que je le veux en fait. Aïe aïe aïe, on a moins 9. Bon, les grosses runes passent bien. Ça va être short quand même. Je pense que je vais go prosp pour récup. Non, je ne récupère rien. Ouais, le crit qui passe pas là, ça fait très très mal malheureusement. Dommage, on continue. On va espérer que le PO ressaute assez vite sur ce G qui est plutôt élevé. Bon, je vais bourriner la pavie, mais c'est possible que ça me détruise l'attentat. On va espérer que ça se passe bien. Ok, franchement, c'est pas trop mal. Parce que j'aurais pas eu grand chose à faire après à récupérer l'over. En vrai, je vais go Inni. L'Inni passe encore bien à ce stade, c'est assez surprenant. Allez, le soin qui passe. Il reste 16. On va être un peu short malheureusement. Le PO qui repasse pas. 47 depuis là-dessus. Franchement, c'est très prometteur. On va go Ravi. Et c'est pas de chance. C'est faisable, hein, mais il faut vraiment que les grosses runes ne trollent pas, quoi. Ah, bon, là, j'ai récupéré un peu de crit, mais. On est quand même assez short sur le puits, la moindre rune qui passe pas. En vrai, je dis ça, mais attendez, on est bien là. Les grosses runes qui passent pas, si j'ai pas succès neutre ou crit sur les grosses runes, c'est quand même très compliqué sur les tentas. Mais là, je partais d'un G très haut. J'ai eu moins 30. Ensuite, là, j'ai moins 10. Il me reste encore 7, mais what? Donc, je peux encore faire. Comme ça. Mais attendez, mais c'est un gros G, ça, je reconnais. Bon, moi, PO aura ça et on est bien. Pas de PO.
Bon, on est assez bas. Il faut de la réussite. Ok, bah, c'est exactement ce dont je parlais. On voit Goini. Hein. Ok, allez, double rat. Aïe. Ça pique un peu là. Le crit, il reste 1. Pas de PO. Tenta plutôt prometteuse, on a des belles congruences, sauf la Vita qui troll un tout petit peu. Oh là 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 là, quelle tristesse. Bon, bah écoutez. Hein. On s'est fait ruiner la Tenta, tout simplement. Pas de PO. Belle Tenta à 47 depuis. Allez, oui. Je vais peut-être pas mettre de Runini cette fois-ci. Alors je vais faux et ini. Enfin bah oui, moins 6, bon, on aurait essayé. Je vais. Double rat. Oh oui, ça passe bien. Moins 9. Bon là, je vais récupérer la paini. Elle est fat, hein. 24. Et y a pas grand-chose, on pouvait tenter la Rassa en neutre. Hein. Il me reste 15 là-dessus. Mais attendez, mais c'est du jeu de psychopathe, ça, je reconnais. Il me reste 12. En vrai, je peux bourriner Pavie. Bon, déjà, on va mettre une pavie. Qui passe pas, il me reste 9. J'ai deux options. Soit je bourrine une pavie pour essayer de lâcher un petit pavie pod. Soit je mets une passa et je me contente d'un 42 sagesse pour pouvoir jouer. On a le perf intel, perf agi. Mais on n'a pas le perf vita. L'avantage, c'est que la passa peut crit. En vrai, je vais pas ça. Je vais être raisonnable parce que j'ai besoin d'items. Enfin, j'ai plusieurs items dont j'ai besoin avant de pouvoir PVP. J'aimerais bien ne pas être trop long par session. Dommage. Pas de PO. La question est réglée. On continue. Bon, là, ça va être un peu compliqué, mais si on a un peu de réussite, peut-être. Voilà, donc bah nickel, on parle là-dessus. Allez, go! Bon là, la Pado qui bouffe déjà beaucoup de puits, j'y crois moyen, mais on va tester. Ok, le crit qui met plutôt bien. On va plutôt réfixe. Moins 10, c'est cool. Allez, allez. Bon, pour l'instant, j'ai pas trop compté, je vous avouerai. Bon, du coup, on va compter. On avait 36. Juste avant, j'ai eu... Plus 4, moins 4. On a moins 31. Il reste 5. Je peux mettre la fuite. Pas de PO. Bon, la Vita est perf, mais le G, il est quand même plutôt bas. Je pense qu'on va galérer. Je vais go double rat. Voilà, bon, si ça passait, ça pouvait faire un truc. Évidemment. Évidemment. 46 là-dessus. On va tenter le moins 26 au dommage. Allez, ça passe pas trop mal. Et voilà. Oui. Bon, maintenant on est quand même pas hyper bien. Ouais, c'est mort. Bon, le dommage était stylé, mais... Ça ne suffira pas malheureusement. Bon, évidemment, on full crit derrière, mais bon. Pourquoi il n'y a pas ça quand je veux en fait? C'est quand même pas de chance. En vrai, on était pas loin d'un truc là, hein, mais. Attendez, mais en vrai, si je passe une fuite. Je pouvais presque tenter une Rassa là-dessus, mais. Bon, on continue. Bon, là, on part dans un gros G, il faut juste qu'on ait une Rainée. Et voilà. Ok, là, ça peut vraiment être intéressant. On va fuite. Paini.
Dommage, crit. Ah, le crit. Oh, elle était belle, l'attentat. C'est terrible. Tant pis. Ok, j'ai un plan. Il faut qu'on fasse ravi. Là, il faut qu'on ait une peinée qui passe. Ok, on s'en sort pas trop mal. La Rainée. Mais attendez, c'est pas mal ça. La fuite. Il reste 22 là-dessus. Ouh, elle est belle là. Je pense que je vais mettre une ini. Oh non, je suis trop bête, j'aurais dû mettre la hache d'abord. Tant pis. On y va comme ça. Il me reste 15. Attendez, mais c'est du sacré G ça, hein. C'est du sacré G. Il me reste 6. Attendez, on peut avoir du moins 5 ini à la pod, enfin du moins 25 ini. Donc ça va pas. Je suis bloqué à 296. C'est une dinguerie là, hein. Il reste 6 là-dessus, on va PO. Qui passe pas, dommage, j'aurais vraiment aimé avoir l'attentat à ça. Ce que je peux faire, c'est mettre la passo maintenant, qui crit, et là je peux essayer de crit la Rassa. Et j'ai une chance qu'elle casse le PO. Dommage. On continue, c'était magnifique là, vraiment, c'était un jeu de dingue. On enchaîne. Allez, il faut que la Rainée troll pas trop. Parfait. Je pense que je vais le récupérer à la fuite. Ok, je vais rien récupérer du tout. On va y aller comme ça. Ah là là, on perd beaucoup sur la Vita. C'est terrible. Crit qui passe. Reste 8. Reste 4. Bon là, on n'ira pas très loin malheureusement. Pas de PO. Allez, ravi païné. Aïe, 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 aïe. Ok, alors je m'autorise à mettre des rassas des fois quand le jet m'arrange et je me dis si je casse le PO ça peut être intéressant. Donc là j'en ai mis une juste avant. Et là j'ai un jet qui est très haut. On a 45 de puits là-dessus. Si la ravi passe. Ok, dommage, moins 20, mais il y a peut-être encore moyen de choper un truc. Je vais récupérer à l'appâhage. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais mettre une rue. Je voulais mettre une hypode et je me suis trompé. Bon. Tranquille, tout va bien. On va y aller comme ça. Dommage, là, la inné qui prend encore du puits. On a 15. En vrai. Oh là là, quel dommage. Pas de PO. Il manquait rien, hein. Une endocrine, un fuite derrière et. Très triste, dommage. 43 depuis, petit doute, hein. Peut-être 42 à vérifier. On va pavi. On se prend moins 20 là-dessus, c'est un peu triste. En soi, je pourrais mettre une ligne. Alors, ok, bon, allez Lara, ah, les grosses runes qui me trollent, moins 20 à nouveau, bon bah c'est fini hein, malheureusement. Le PO passe, ah, c'est dommage qu'on ait perdu autant de puits, je peux tenter Rasa et espérer que ça casse le PO. Non, on continue. Bon, va falloir gérer la Vita. Je peux soit mettre un dos qui me fera 25 ou 26, soit tenter le moins 11, moins 13. Mais on va pas trop grid, je pense. On est quand même sur un item assez chaud. Voilà, le moins 25 sécurisé. Je peux bourriner la païnée. 12, hein, ça coûte cher. S'il la ratrolle pas.
le repère. Dommage. Pas de PO. 48 depuis. Oh, l'intel là. La Vita et l'intel ont des congruences affreuses. Bon, bah on a plus de puits, hein, c'est pas de chance. Ouais. Je fais même pas grid, je mets des petites runes pour essayer de récup. Le cri qui passe, mais ouais. Compliqué, hein. Allez, on continue. 41 de puits, en vrai. Ça peut faire un truc là, on est pas mal du tout, hein. J'aime ma vie. C'est un plaisir d'Ophus, c'est un jeu de rôle. 47 depuis. Allez, la Vita qui passe, le dommage qui passe. J'aurais pu rainer au lieu de painer, hein. C'était discutable là, mais bon. On a le PO, je vais tenter Rasa. Ça peut valoir le coup là, si ça casse le PO, c'est intéressant. Et non. Allez, on continue. 50 de puits. J'hésite entre Pavi Ravi Réfix ou juste Pavi Ravi. Enfin, ou juste Ravi, pardon. 50. Est-ce qu'on joue ou pas? Le reste est assez haut. Pavi à la fin, sécurise, on me dit. Ouais, ça me paraît sage, en vrai. Ah bah, c'est bien. Je veux faire le mec sage, et voilà ce qui m'arrive, en fait. Bon, on a du crit. Je me suis chié, il reste 10. Il reste 2. Ouais, c'est compliqué ça. En vrai, quitte à crit une rune, autant crit une vie qu'une... Ou alors je peux mettre deux Zini. Ça peut passer encore les Zini. Ouais. Allez, PO Rasa. Pas de PO. Tenta très intéressante là. On va commencer par une fuite. Qui crit évidemment. La Ravi. Ok, moins 10. L'attentat est très très belle. Oui, ça passe. Allez, on va récupérer ça comme ça. Le dos feu, moins 5. Je vais tenter le crit, pas fuit. Pas de crit. Dommage. Du coup, ça va être un peu short pour finir, je pense. Il reste 6. Ah, c'est dommage. On a le PO. On va tenter Rasa, du coup. Voilà, les amis, c'est exactement ce dont je vous parle depuis le début. C'est l'avantage de pouvoir casser le PO avec la Rasa juste derrière, et comme ça j'ai encore un peu de puits, et je peux retenter PO Rasa. C'est exactement pour ça que je fais ça depuis le début. Donc on a eu moins 5, on a plus 61, non 71, moins 30. Et donc là on a 42 de puits là-dessus, et là on va commencer à discuter vraiment là. On peut tenter crit. Ok, j'ai moins 25. Tac, tac. J'ai moins 5, moins 8. Il me reste 4. Pas mal. Ok, donc là, vous voyez, on se met à un setup absolument monstrueux. Allez, deuxième repassage PO. Ça passe pas, dommage. Grosse tenta là. Allez, faut pas que ça troll. On perd déjà beaucoup malheureusement. On va y aller à la réfixe, on va jouer très très safe. Ok, ça passe. On récupère le puits en plus, c'est magnifique. Oui. Oh nice. Moins 4, il me reste 11 là-dessus.
Oh, l'attentat de fou. Reste 8. On peut faire double tentat pavis. Je peux tenter une faux. Bon, allez, on arrête de forcer. Est-ce qu'on a le PO? On n'a pas le PO, dommage. J'aurais adoré avoir l'attentat Rasa. De plus en plus souvent, quand je m'investis sur le FM d'un item, j'ai des abonnés qui s'y mettent en même temps que moi, donc ça fait toujours très plaisir. On a là un abonné qui nous propose de tenter la Rasa sur sa magnifique ceinture séculaire, moins 3 vita, moins 5 ini. Et si on a la Rasa, eh bien on a une dinguerie. Allez, est-ce que ça crit? Et non, pas de chance. Très très belle tentation cependant. 47 de puits. Allez, on va pas grid, on va sécuriser comme ça. Le petit crit qui met bien. Je vais directement double rainer. Mais allez, oh non, ça partait bien, moins 30, dommage. Bon, bah à partir de là. Sauf si on full crit. En vrai. 4 de puits là-dessus. J'ai presque envie de prioriser la J sur l'INI. Oui, je vais le faire. Parce que dans mon mode, l'INI n'est pas forcément souhaitable, mais la J c'est toujours bien quoi. PO, Rasa, c'est parti. PO, oui, allez, la Rasa. Pas de Rasa. Ok, là c'est de la dinguerie. On a 48 de puits là-dessus. Je sais plus trop pourquoi j'ai un G aussi haut. Enfin, je viens d'avoir une Rasa qui n'est pas passée juste avant, mais on avait le PO qui avait recrit. On a une dinguerie de fou là. Ouais, puis j'ai re-eu du crit après. Là, c'est colossal là ce qu'on a. On va presque pouvoir tenter. En fait, je dis presque, mais non. On va pouvoir tenter la Rasa en succès neutre. Je vais la mettre maintenant. Oh, nice. On a 18 là-dessus. Je vais pas âge et ensuite je vais bourrer l'ini. Oh, l'attentat de psychopathe. Il me reste 12. Il me reste 6. Il me reste 2. C'est un truc de dingue là. Hein. Je peux tenter le crit faux pour gagner une tenta pavie into pod. Ok, on l'a pas. S'il vous plaît, le PO. Ça me mettrait tellement bien. Elle est tellement belle. Allez. Il faut crit. Oh non. Oh, je suis abattu. Oui, peut-être. J'avais un. J'ai plus 24, plus 25, moins 50, donc je devais avoir un de rad, j'ai plus rien. Et donc j'ai 25, plus 51, moins 30, il me reste 46 là-dessus. Si j'ai du crit sur les padots. « 26, je peux l'avoir encore. Il me reste 11. Pas de PO. Je suis abattu. Je suis abattu. Bon, là, je vais avoir du mal à me remettre de la dernière tenta. Je crois plus à rien, là. Je clique sur des runes, c'est bien. » Allez, c'est cool. Wow. C'est bien la FM. Hein. Allez. Si la païnée elle passe. Ou alors. J'hésite entre païnée ou rainée là-dessus. Je vais païnée. Voilà. Ra. Même Goini en vrai. Ouais. Je vais ravi. Ok, bon, on a full succès neutre, c'est pas mal du tout. Ok. Ok.
Il nous reste 16. Ah, ça va être un peu short. Nice! 11. Très très bien là. Quand même. 1, 2, 3, 4. On a 4 depuis là-dessus. On est et c'est pas mal du tout. Hein. On va go ini, pas ini. Oh non, j'ai mal compté. Non, non, non. Évidemment, ça va passer là-dessus. Non. Oh, c'est d'une tristesse. Qu'est-ce que j'ai mal compté? Oui, j'ai oublié une ligne là, je crois. Bon, bref, c'est pas passé, tant pis. Allez, next. 48 depuis. Bon, déjà, la ravie qui passe pas, ça part très très mal. Allez, double moins 6. Bon, c'est une belle tentative de merde, ça, je reconnais. On va y aller comme ça, je pense, comme un bourrin. On a eu un peu de crit, mais ça ne nous emmènera nulle part, malheureusement. Pas de PO. Non. 46. Allez, c'est parti. On va mettre une petite ligne là-dessus. En vrai, je vais double rat. Nice. Un peu de réussite, ça fait plaisir. On a le dauphin, la runini, deux cris de fuite, moins 9. On est pas mal là. Hein. Il reste 14. En soi, je peux paini et pod. Je fais rarement ça, mais ça valait le coup. Donc là, j'ai deux, du coup, bon, on ne peut rien en faire du tout. Allez, PO aura ça, les amis, ça maintenant. Est-ce qu'on a le PO? On n'a pas le PO. 48 depuis. Si on arrive à passer la rainée, on peut avoir une très belle tenta. Allez, moins 20, c'est correct. On va y aller comme ça. Il me reste 16. 13. J'ai eu moins 1. Il me reste 12. Hop. Bon, il me reste un depuis, je crois. Est-ce qu'on a le PO, les amis? Pas de PO. Allez, il y a 18 depuis là-dessus. On va lui passer deux passas. Ou pas, le PO. Pas de PO, je suis pas le seul à avoir de la poisse. 46 depuis. Allez, la ravie. Ouais, c'est bien. Waouh. L'amusement. 46 depuis. Ok, moins 10, c'est correct. Double moins 6, c'est pas de chance. Moins 20. Ça pique un peu. Bon. Pas de PO, dommage.
43 de puits. Si on a la paillinée, ça peut être intéressant. On s'en sort très très bien. On récupère pas, dommage. Allez, deux feux. Deux crits. L'attentat est belle, là. Huit. Reste deux. Mais... Ah, je me suis fait arnaquer, là. Là, c'est une douille, là, je reconnais, ça. Bon, pas de PO. 47 depuis. Allez, c'est parti. Hop. 11. Moins 10, le petit crit qui régale. Je récupère pas Lenny pour maximiser le puits que je récupère. Parce que Lenny, j'en ai pas un besoin vital, je préfère m'assurer de pouvoir maxer tout le reste. Le crit, nice. 14. Et ben. Allez, le PO. Oui, allez, la Rasa. Ça peut passer maintenant. Pas de Rasa. Bon, finalement, un abonné a passé un jet qui me convient, donc je vais lui acheter et on va arrêter la vidéo ici. C'est un peu dommage, on a eu des belles tentas qui se sont enchaînées, on n'aura pas eu beaucoup de succès. C'est pas grave, on aura peut-être ça d'autres fois, c'est pas impossible qu'on refasse des sessions sur cette ceinture, mais pour l'instant, ça s'arrête là. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt. Ah oui, et le G, vous le verrez du coup dans mes vidéos d'achat d'items que je vous invite à aller regarder.